Allez les amis, faisons la course jusqu'au sommet. Génial, la peinture de Scutio paraît super vue d'ici. Voyons si Scutio a besoin d'aide. Les amis, zoom, c'est parti. Ça paraît bon, Scutio. Merci, je suis très contente comme ça. Scutio, pourquoi es-tu bleu? La peinture est désastreuse. Je descends maintenant. À l'aide, Ricky! À l'aide! Attends, Scutio, on vient de chercher. DJ, va utiliser l'échelle de ta boîte à outils pour empêcher que la plateforme ne glisse. C'est trop haut, Ricky! Attends, je l'ai. Bonne idée, Loop. Si on les empile, alors l'échelle de DJ sera suffisamment grande. Active la boîte à outils. Bon travail, les amis. Mais comment vais-je descendre? T'inquiète, Scutio. Ricky, à la rescousse. Maintenant, accroche ton guidon au câble et descends en glissant. Je sais pas, Ricky. C'est si haut. Tu peux y arriver, Scutio. Continue, Scutio. Tu y es. Ouais! Ouf, c'était moins une. Ouais, qui savait que peindre pouvait être si difficile? Pas moi, mais je pense vraiment que le bleu me va bien. C'était amusant d'être vert pour un moment, mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je sais seulement ce dont nous avons besoin. Un lavage de moto. On est bientôt arrivé. Tu vas la voir, cette photo. Oui, ma première super photo. Mon papa va pas en croire ses yeux. Arrêtez! Stop! De la boue. Ça ne figurait pas sur la carte. Comment on va faire? Bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Ouais, c'est bien de la boue. De la boue super boueuse, de la boue qui colle au roux. C'est rien, on va juste faire attention, on va ne pas... Je suis coincée. Continuez sans moi, occupez-vous de la photo. Non, on va te sortir de là. Loop, tu restes ici, ne t'approche surtout pas. Grappi zoom, action. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. J'arrête pas de m'enfoncer, Ricky, au secours. Scutio, aide-moi. Au secours, les amis. Loup, non. Tu vas gâcher ta photo. Je ne laisserai pas DJ ici. Mes amis sont 10 fois, 100 fois plus importants qu'une photo. Double booster, action. Wow. Allez, encore un petit peu plus. Ouf. Merci les amis et merci. Loop. Oh non. Bon, bah on dirait que c'est encore raté pour la photo. Pas forcément. On n'a qu'à la prendre maintenant. Quoi? Maintenant? Fais-moi confiance. Fais-nous un beau sourire. C'est normal qu'il soit tombé dans ce trou. C'est plein de taches d'huile ici. Ça y est, ça recommence. Je peux faire quelque chose. Je peux vous aider, vous savez. Ricky, je préfère que tu attendes derrière avec tes amis. On se débrouille très bien tout seul avec ton père. Faut que je reste derrière avec les autres. C'est super nul pour une star de cinéma. Ah, ça va mieux. Oh, merci, Hank. Merci, Hélène. Ça a été encore plus rapide que la dernière fois. Oh, à tous les coups, ça doit être blip.
Tel père, tel fils, vous savez. Il a dû encore finir en haut d'un arbre. J'espère que ça te servira pour ton film. À tout à l'heure, les enfants. Oh ben, c'est pas tout ça, mais j'ai du courrier à distribuer. Attention, papa, il y a une flaque d'huile. Papa, maman, ils sont déjà loin. Mais tu peux le faire, Ricky. Moi? Toi aussi, t'es une moto-secouriste. Bien sûr que j'en suis une. C'est à moi de tout faire pour l'aider. Ricky, à la rescousse. Rapid zoom. Action. Accroche-toi, je vais te sortir de là. Arrête, c'est pas moi qui faut filmer, c'est Ricky. T'as raison. Allez, ça tourne. Merci tous. Une fois encore, merci Ricky. C'est l'heure de récupérer Zouzou. Oups. C'est rien, ne vous en faites pas. La capsule temporelle. Oh Zouzou, jamais cru que tu me manquerais autant. Ok, c'est une cata. C'est une catastrophe. Oui, comme tu dis, on a dû percer un tuyau. On a fait une grosse bêtise, les amis. L'eau va finir par inonder le terrain. On va trouver un moyen de boucher le trou. Oui, je suis d'accord. Mais avec quoi? Oh, Zouzou, je suis vraiment désolée, j'ai pas le choix. Merci, Ricky. Fantastique. Est-ce que ça va, Ricky? Zouzou n'aurait pas hésité une seule seconde à faire ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de la capsule temporelle. J'ai trouvé où on va l'enterrer. Entre ce brin d'herbe là, ces cailloux minuscules, et surtout sous ce grand nuage qui ressemble à une moitié de banane. Oh loup! Un de ces jours, monsieur Klaxon, tu vas me manquer. J'oublierai jamais tout ce qu'on a fait ensemble. Bon, et ben, vu qu'on a fait des trous partout dans le terrain, on a un peu de travail pour le remettre en état. Ah, ça va, je n'ai rien. Mais comment je sors de là? Rapizoom, action! Faut que j'appelle à l'aide. C'est quoi ça? Un feu d'artifice. Oh non, il y avait une fête et je l'ai encore ratée. Je crois pas que ce soit un feu d'artifice, Lou. Ça ressemble plutôt à la fusée de détresse de Ricky. Il a besoin de nous. Allez les amis, on tape les roues et c'est parti. Cette fois-ci, les amis, c'est toutes et les toupies à la rescousse. Ricky, est-ce que ça va? On est venu dès qu'on a vu ton signal. Oh, waouh! Je suis très contente de vous voir, les amis. Ne t'en fais pas, je vais te tirer de là. Dis-moi ce qui se passe. Merci, DJ. Ma roue arrière est coincée et je ne peux plus bouger. Scuba, c'est à vous de jouer. Oh.
Ça fait partie du spectacle, c'est drôle en tout cas. God, je sais plus combien on peut se faire en difficulté. Accroche-toi, je vais venir te chercher. Ricky à la rescousse. C'est parti. Aileron. Viseur. Gadget. Aileron. Incroyable! C'est la première fois que je vois une chose pareille. Ouais, Ricky! Il a fait un triple grand saut tourbillonnant! Vroom! T'as plus à t'inquiéter, je te tiens. God Zero! Ça y est, je suis sauvé. Merci, Ricky. Ah, alors ça, c'était une superbe cascade digne de moi. Sable cascadeur d'acier. Ricky! Est-ce que tu vas bien? Comment t'as fait ça? C'était dingue! En fait, j'ai seulement recommencé à croire en moi. Moi aussi, je croyais en toi. Je me suis souvenu d'une jeune moto qui avait ton âge, courageuse, intrépide, rapide. Elle s'appelait Sam Dacier Junior. Tu ne devineras jamais qui elle est devenue en grandissant. Vous? Oui, exact. Et en plus, t'es intelligent. Dites, ça vous dirait de revoir la cascade une deuxième fois? Je vais tenter un quadruple saut. Avec plaisir. Oh, c'est trop bien! Ça va être génial! Mon papa, le légendaire bolide mystère, vole à mon secours! Je ne vais pas y arriver. T'es sûr que c'est lui? Pour le bolide mystère, je le voyais plus super que ça. Je le connais, il est super malin. Il fait exprès pour qu'on le reconnaisse pas. Ça, c'est la grande classe. Oh oh. Eh oui, ça arrive des fois, tu ne vas pas tarder à tomber. Au secours! Maman! Alors ça, c'est trop génial! Oh, c'est cool! Waouh! Je vais avoir un gadget comme celui-là! Maman! Oh, j'y crois pas, c'était toi! Et dire que tu n'as pas pensé à me faire essayer ça. Ben non! Je veux dire, tu es ma maman! C'est ta mère, mais elle est beaucoup plus que ça. Eh ben, maintenant, je suis au courant. Je croyais que Maxwell gardait ma sacoche en lieu sûr. Et si on allait la lui rapporter? Je l'avais dit, ça restera pour toujours un mystère. 99! Ricky, raconte, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ta tablette, il faut que j'appelle mon père. Vini, Ricky? On a un problème urgent. L'agent Bunker a vraiment besoin de toi. C'est pour un code 99. Oh, j'arrive tout de suite.
C'est bon, on va s'en occuper. Dites, agent Bunker, est-ce que ça va? Ça va à peu près. J'ai un code 99, mais je veux un code 0. Fin du message. J'en suis pas sûr, mais je crois qu'il panique. Je vais l'hypnotiser. Zabazoum! Zabazoum! C'est bon, ça ira, Loop. J'ai besoin que tu partes devant pour dégager la route. Laissez faire, Loop! Bon, maintenant, voyons si on peut arrêter l'agent Bunker. Doucement, doucement. Ça va être dur à cette vitesse. Et si j'utilisais mon grappin? Tu peux le lancer quand tu roules vite? Je vais essayer. C'est peut-être enfin le moment pour toi de faire comme Sam d'acier. C'est parti! Aileron! Viseur! Gadget! Aileron! Grappizoom! Action! Oh, attention à la peinture! Buster, désolé, j'aurais mieux fait t'écouter. C'est toi qui avais raison. Buster? 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 Oui. Oh. C'est parti!